Salut à tous, salut Nexus. Je crois que t'es le premier arrivé. J'espère que tout le monde va bien. Ah, je suis chaud. Bande annonce, on va se fight et tout. Eh ben non, on va juste se chier dessus. Comment ça va les amis? C'est un petit peu chaud vers chez moi. J'espère que chez vous ça va. Lancer la game. Bien sûr, style, on lance le jeu. Alors, j'ai jamais lancé le jeu, j'ai rien fait du tout. Je suis juste ultra motivé parce que ce jeu, il est flippant. Évidemment, je mets pas l'image. Ce serait... La musique est forte. Et eh ben, elle est finie, la musique. Non, mais je serai pour le prochain. Pas de problème. Ce serait un petit peu. Je suis pas sûr de jeu. Oh, quoi que ça va afficher le jeu. C'est pas grave. Alors, je vous avoue une chose, c'est que pendant le live, je vais virer ma caméra pour qu'il y ait un petit peu plus d'immersion. Non, on va se la jouer. On va se la jouer normal. Salut, Kellen. On va laisser ça comme ça. Ça doit être bon. Donc je ne connais le jeu que par bande-annonce
quelques vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Et c'est le style de jeu, même s'il n'est pas trop récent, il doit peut-être avoir 2 ans. J'en ai entendu de plus grand bien. Évidemment, je vais vous mettre l'image, sinon c'est pas marrant. Peut-être mieux, hein. Le son est plus fort que ma voix. Ok. Et bah, je vais changer ça tout de suite. Est-ce que là la voix ça va ou c'est trop fort? C'est mieux? Est-ce que c'est un petit peu mieux là? Comme ça on met tout nickel avant de commencer. Hop là! Un petit peu mieux? Vous voulez que je remette un petit peu plus fort? C'est possible, hein, y a pas de problème, ça me dérange pas, moi. Allô, allô. Et là, ça... Ouais, là, c'est bien, là, à mon avis. Ok. Là, je sens que le son est plus adapté. Bon, c'est pas que je veux pas que vous me voyez, hein, je suis pas tout nu, je vous rassure. Hein. Mais pour l'immersion du jeu, je vais totalement couper la caméra. Et je sens qu'on va se chier dessus. C'est un jeu qui est très flippant, angoissant. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, ça vaut le coup de rester un petit peu. Parce que c'est un jeu qu'on va finir, ça. Avec ou sans vous, je sais pas si on va survivre, mais... on va le faire. Allez, hop. On vire la cam, on vire le contour. On va se mettre sur la game. Évidemment, on va tout mettre en élevé. On va en profiter. Les touches, évidemment, on va essayer de les configurer avant d'être dans la galère du jeu. Reculer. Tac, 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 ça coupe pire, ramasser. À mon avis, ils vont nous expliquer au début. Ramper, utiliser. Bon, on va essayer, hein. Vision nocturne F, le microphone. Ah voilà, se pencher à gauche là. Regardez en arrière. Bon, on va essayer comme ça, de toute façon, on va voir. Oh! Mode histoire, je suis ici pour me promener. Non, ce n'est pas une promenade de santé. Oh putain. Ça s'appelle Outlaw et c'est la version 2. C'est le 2. J'ai pas fait le 1 mais c'est pas une suite logique du jeu. Donc on peut se permettre de faire le 2 sans le 1. Là j'hésite entre faire un truc difficile. Simulation. On tente Psychose? Vous êtes chaud ou pas? Simulation de vie, ça veut dire qu'en gros... Ça veut dire quoi. Non mais psycho, c'est à dire c'est le mode le plus difficile de difficile quoi. Je vais peut-être mourir dans la vraie vie quoi. Allez, bon, on y va. Bon, ah oui. Non, regardez. Il y a aucune progression possible. C'est-à-dire en fait tu meurs, t'arrêtes le jeu. Ah oui, effectivement, là c'est, ça s'appelle hardcore même. Voilà, c'est un petit peu chaud. On va essayer peut-être en dessous. Ouais, non, One Life, on se le fera quand on aura fini le jeu. Donc, Outlast 2 contient des scènes de violence intense, de carnage, de situations sexuelles explicites et un langage grossier. Ah bah, au moins, ils te préviennent, hein. Amusez-vous bien. Vous êtes prêts pour l'histoire? Chaud! Lynn Landerman est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans des circonstances... impossible dans la région rurale d'Arizona. Vous êtes Blake Landerman, son mari, assistant et caméraman.
enregistrez tout ce que vous voyez. Ni elle ni vous n'êtes des combattants. Pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert, seul choix sont de courir, vous cacher ou mourir. Ok, au moins ils nous préviennent, c'est sympathique. Ça sauvegarde. S'il te plaît, Blake. Let's go. Où es-tu ? J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Pour une immersion totale, si j'avais possibilité d'avoir un casque. Il arrive. Vous allez voir, c'est dingue. Je suis réveillé. T'aurais dû dormir la nuit dernière. Bah, je devais ranger les films de l'hôpital. Aussi, t'appelles le nom d'une autre femme. Quoi ? Dans ton rêve. Jessica, je crois. Tu connais une Jessica ? Oh, non. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray, quand nous étions gamins. Ah ouais ? Ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé, nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé... Je suis désolé, je suis obligé de couper. Il faut que je change le titre du live, sinon je vais me faire punir par Twitch et j'avais oublié. Tac, c'est good. Et là on reprend. Tu veux chercher une sortie d'usine ? Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang, elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques. Si vous le dites, c'est vous qui payez. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. J'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin. Le son sera merdique. On va devoir... Oh ! Putain, mais qu'est-ce que... Merde ! Désolé ! Le panneau de gauche ne répond pas trop, mais tout va bien. Ah, que d'émotion. Essaie de prendre un max de paysage derrière moi. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Piano panier. Ava soupaille. Ok. Ici Lynn Langerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Ava soupaille dans le centre de l'Arizona. C'est moi qui zoome. À la recherche des origines de Jane Doe, victime de meurtre. Hey Lynn, tu devrais pas parler de meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je dois dire qu'elle s'est elle-même étranglée à mort. Ah, c'est ce que dit le rapport de police. On pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin. On met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi. Il faut mentionner le fœtus, comment il... Attends, laisse-moi essayer une version qui pourra servir d'intro pour tout le reste. Dis-moi quand t'es prêt. C'est bon. Il y a 2 semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville à Oh ! On a perdu le moteur ! Merde ! On est où là ? Putain, elle est con. Ça sent la carotte quand même, hein. Sortez d'où, mec? Visiblement, on est dans une école. Yeah.
Ah, c'est un cauchemar. Ok. C'est ça qui compte. Ici Lynn Lingerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne. Quand je faisais le con avec la cam, ça sauvegardait quoi. À la recherche des origines de Jane Doe, victime de... C'est dingue. Enfin, c'est un truc con, mais... retour échappe. Pour le moment, ça va, t'inquiète pas, tu peux rester. C'est après le problème. C'est bon. En fait, quand je faisais le con avec la caméra, c'est ça... ça en... Une jeune femme a été retrouvée des ambulances seule, pieds nus et enceinte. Bref, ok. Je pense que c'est par ici. Oh mec, fais gaffe hein. Putain, on est tombé dans le trou du cul du monde. Les événements importants doivent être enregistrés. Appuyez sur 1 pour lever votre caméscope. L'enregistrement se fera automatiquement. Elle n'était pas là. Le corps de Lynn n'était pas dans l'épave. Elle est peut-être encore en vie. Trouver Lynn, ok. Oh merde! Seigneur! Est-ce que... Ah non, il n'y a pas de corps. Elle n'est pas ici. Lynn! Lynn! Ah, d'accord. Ok. Utiliser une pile. Ah, c'est pour recharger le caméscope. Un deux stem. Ah, pourquoi il veut que tu utilises la... Ah, c'est pour voir par où je dois passer. Ah, c'est utiliser des piles dans le caméscope. J'ai cru comprendre. Oh, oh, oh bordel! Merde, 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 merde! Oh putain! Non, non, c'est pas écrasé! C'est de la merde! Il y a des mouches! Lynn! Ah, il faut enregistrer ça! Ça se trouve, on s'est fait shooter par des mecs en bas, hein. C'est ouais, c'est... C'est dégueulasse. Alors en plus on a mis en mode difficile, hein. Donc à mon avis,
J'ai une petite lumière à côté de moi, je vais l'éteindre pour être vraiment. Putain, mais si t'enlèves la caméra, tu vois rien en fait. Et j'ai pas surtout de pile, hein. Faut pas recharger. Ah, c'est pour mettre une pile dedans. Ah, nice. Donc, à mon avis, il va falloir trouver des piles sur la map. Sinon, on. T'imagines là, t'arrives ici, t'as plus de. Bon, là ça va encore. Si t'arrives ici, t'as plus de piles. Je vais essayer d'économiser un peu. Ah, il y a des habitations. Une ville. Dieu merci. Je pensais qu'on était à des kilomètres de tout. Mais en fait, si je regarde dedans, je perds la batterie. Il faut que j'arrive. Voilà. Ah, je suis bête. Alors, je vais regarder si on peut faire ça. C'est dans quoi? Option. Ah bah voilà, volume. Après, volontairement, je vais pas parler beaucoup, hein, mais je vais baisser ça. C'est un peu glauque quand même. Quelqu'un? Je suis perdu et blessé. Je sais pas pourquoi ça sent les problèmes. Des yeux là. Hé hey. Hey, monsieur. Non. Faut se dire. Oh merde. Oh, merde. Ça vient d'arriver. Ma chère et tout, c'est dit. Non, non. Il s'est suicidé. Alors, je sais que nous devions nous offrir. Mais je suis déchiré à l'intérieur, je ne peux plus vivre. Avec un peu de chance, la fin est proche et nous serons remis une fois de plus, à moins que Dieu ne m'envoie brûler pour toujours à cause de ce péché. En attendant, j'espère que tu trouveras tout réconfort dont tu as besoin dans le bras de papa et maman. C'est moi ou il y a quelqu'un là? Vous imaginez si j'éteins la caméra là? J'espère que la batterie elle tient bien. C'est qui tape? C'est pas moi, hein? Si? Il est bizarre ce village, hein? L'avantage de la caméra. Oh putain! Qui est? Pose délire.
On peut les tuer ou... Mais il y en a plusieurs en plus. Qu'est-ce qu'il dit ? Libère tes mensonges. Mais regardez la pile, comment elle part trop vite. On va se retrouver sans batterie rapidement quoi. Je sais même pas si je peux avancer. Ah, il faut que je prenne l'habitude de retirer la caméra. Parce que même si j'utilise pas la vision nocturne, c'est flippant. Et la lumière dans la maison là. Il y a un mec là. Tu peux pas juste te planquer dans une baraque en attendant là? Je sais pas s'il faut chercher des armes ou... Oh, c'est dégueulasse. C'est moi ou il y a quelqu'un là? C'est bizarre qu'il y ait personne dans le village quand même. Bon, eh ben, vous entendez ? Bon, on y va, hein ? Oh, sa mère. Il y a quelqu'un là. Ah, c'est là-bas, je fais du bruit. Non, non, non. Tu fermes, mais rentre dedans, quoi. Attendez. Maintenant qu'il a pris en photo, voilà. Faut que je... Vraiment, j'économise les batteries. Notre Dieu bien-aimé continue de me bénir de ses visions. Je suis... L'ennemi approche pour chaque jour qui passe. Est-ce que je dois lire ou est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a écrit? Sinon, je vais essayer de lire avec les fautes que ça peut comporter. Mais... Je nettoyais les taches du plancher de la chambre de Daniel lorsque la musique bénie m'a traversé pour me plonger au cœur d'une vision. J'y ai vu une créature comme un soleil brûlant, avec des anneaux de rangée dedans, et sous elle, des membres ballants, que je pensais être ces ballons, ouais, peut-être, pensais être des bras, mais qui étaient en fait des queues, qui s'érigeaient pour procréer, et ce soleil monstrueux descendait pour baiser la terre et donner naissance à une énorme erreur traînante, née des flammes. J'étais rempli de crainte, une crainte si grande que je ne pouvais plus respirer ni bouger. Et je me revoyais toutes ces années en arrière en train d'aveugler Daniel avec de la soude. J'essayais de pleurer, mais je n'y arrivais pas. Ah, mais ils sont bizarres dans ce village. Je me suis réveillé mouillé de convoitise, douloureusement désireuse de sentir un homme à l'intérieur de moi. Et ce sentiment n'était pas si différent de la peur. J'essayais de me consoler. Avec vos enseignements, la terreur est comme la joie dans le mouvement de Dieu. Mais je trouverai
un réconfort encore plus grand avec votre virilité dans ma crevasse, une forte prière que l'antéchrist s'étrangle dans mon ventre. Le membre le plus fidèle de votre troupeau, rempli d'un désir saint. Vas-y, ils sont bizarres. Vas-y, pose-moi ça. Les mecs, ils sont des trucs bizarres dans ce jeu. Ça a l'air sympa si tu peux te cacher dans les placards. Non, je les veux pas comme voisins, mais je veux même pas habiter dans la même ville en fait. Le souci, c'est que j'ai des piles en stock. Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Ouais, j'ai compris, mais j'ai pas de piles, mec. Y'a pas un truc à fouiller là ? Si on va être dans la merde, quoi. En fait. On peut pas fouiller les blousons, non. Tu vois le genre de jeu, tu peux te planquer sous les lits et tout, quoi. Tu comprends un peu le problème. Bon. Économiser la batterie, hein, comme on peut. Certaines portes ont des verrous qui peuvent être utilisés pour les déverrouiller. J'ai compris, il y a un verrou juste devant moi là. Ah là, il y a une pile. Ouf. Ah, déjà, c'est une bonne nouvelle, il me reste une pile en fait. Ouais, faudrait que je fasse la saison. Hein. Mais il est flippant ce jeu, sa merde. Et encore, je pense qu'on a rien vu. Hein. Donc en fait, il fallait qu'on passe ici pour. Je sais pas pourquoi je pense qu'il faut pas ouvrir la porte. Bon, bah, tant pis. J'ai envie de ramper toute la game pour être tranquille. Pourquoi la musique est sexy ? Quelqu'un ? Moi je te dis. Oh, ça commence à bugger. Ah, c'est obligatoire en fait. Je voulais garder. Max. Même. Putain, c'est quoi ce délire? Alors, si je sens que c'est une galère, j'arrête le jeu. Ils le disent que tu peux avoir des troubles du sommeil après avoir joué au jeu. L'enfant arrive, prépare ton couteau. Ah, super. Attends, c'est quoi là? Je sais même pas si on a le temps de lire en fait. L'enfant arrive, sage-femme de nuit, ma mère souillée de l'intérieur par l'ennemi, création de Dieu, sauvée. Ah, c'est une musique, super. Vous connaissez un peu le ton? L'enfant arrive, prépare ton couteau. Non, ça doit pas être si joyeux. Bref. Ok.
On va poser ça. Ils sont bizarres dans cette ville. Bon, là, c'est une poupée, ok. Là, il y a eu un truc pas très catholique. Traînée de sang. C'est des vrais cadavres, là, par terre? Ah, mais ils sont brûlés, les bébés, et tout. Ils sont dégueulasses. Qu'est-ce qui... Merde! Non, mais en vrai, comment tu fais, tu... Putain, c'est une espèce de croix. Tu tombes d'un hélicoptère, t'es le survivant, l'hélicoptère, il est mort, t'es paumé nulle part, t'as pas le choix, en fait. D'essence, elles sont dégueulasses. Ils crament tous les bébés en fait. On a échappé au mec du village, c'est une bonne nouvelle ça. Planqué là. Celui qui tombera, il sera conduit en captivité. Vas-y, planque-toi, frère. On avance là ou... Tu peux pas rentrer là-dedans. Cette grande blasphématoire du pasteur graine de moutarde. Y'a un truc là. Proche, hein. Et la douleur s'est retrouvée souillée par la nation de la paix. Bon, allez, nous on reste là. Hein. On va attendre que les secours arrivent. Hein. Faut que je fasse une pause. Là, il faut que j'échange entre ça. On va mettre CTRL G. C'est une jeune fille avant l'enfer après la naissance. Il n'y a rien là. Il y a eu quelqu'un en tout cas. Ah!
que je fasse là. C'est fermé. On fait quoi là? Putain. Il me court sa mère. Qu'est-ce que je fais là? Oh putain! Oh, il m'a fait flipper. Oh papa! Je suis vivant, les amis. Hein. Eh, mais c'est chaud! C'est chaud! Franchement! Bon, bah. On va essayer, je pense qu'il y a un truc. On est où d'ailleurs? Ah mais ils sont malades les mecs qui ont fait ce jeu là. L'ambiance elle est... Waouh. Ah mais tu te sens pas bien, t'as l'impression d'être vraiment dans la peau du mec quoi. Bon en fait on est dans la merde, donc on a bien fait, il fallait ouvrir la fenêtre. Il y avait un truc à ramasser. Non, 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 j'imagine pas en VR. Il n'y a pas moyen. Donc comment ça se passe quand c'est comme ça? Le mec il s'en va ou... Le truc c'est que tu peux pas les tuer, je crois, t'as pas d'armes. Hein. Il a traîné mon corps. C'est marrant qu'il laisse les... Comment dire? Oh, vas-y, c'est chaud. Parce qu'en plus ici c'était un cul-de-sac, vous avez remarqué? On était venu mais c'était fermé quoi. Bon, lui il a réussi à passer en tout cas visiblement. Il a pris mon cadavre. Vas-y, vas-y, cours, 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 frère. T'arrêtes pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais. Pourquoi il fallait que je déplace ça? Ah, j'ai compris ça. Mais... Pardon. Tu veux que je mette ça où? Je crois que c'est pour monter dessus. Vas-y, j'aime pas les cris bizarres et tout. Oh putain. Ça
Ah, le con. À mon avis, c'est pour utiliser le bandage. Oh, Seigneur, qui est... Trouvez Lim. Y a que ça qui compte. Dieu veut que je meure. Ok. Je suis censé sortir là ? Peut-être pas. Quelle saloperie ce jeu. C'est bien de se cacher, mais... Galère. On reste à l'amont. Go, hein. Il faut aller par là ou par là à votre avis? Il y a un mec qui arrive là. Désespoir et le refus de Dieu, ton Seigneur. Une petite pile là. Je fais quoi? Je sors par la fenêtre ou la porte? Il y a un mec qui tourne autour de la... Autour de la maison. Hein. Ah, c'est chaud les mecs hein. Y'a un mec là qui passe là hein. J'ai plus de piles, sérieux. On a plus de piles dans le caméscope. On va essayer de sortir quand même hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. On va se faire buter hein. Voici les mots de lamentation. Abandonné. Tu vois qu'il ne m'a pas vu. Il est nage à la main. Hein. Donne-nous des jours comme c'est autrefois. Il m'a pas vu là. Oh putain! Oh le coup! Ça pourrait durer.
Ah, il m'a vu. Ah, c'est chaud. En plus, on a plus de piles dans le caméscope, quoi. Ils sont vachement accueillants dans ce village, hein. Ferme-moi ça. On aura l'impression d'être un petit peu plus en sécurité. Je peux fermer la fenêtre. Voilà. Allez, nous on reste ici pour la nuit. On va faire un petit dodo. Oh, c'est chaud quand même. Putain! Vas-y! Sors! Putain! Ça passe là ou pas? Non, ça passe pas. On se casse, on se casse. Aïe! Vite, vite! Oh là là, il faut aller où? Il faut aller où? Oh sa mère! Aïe aïe aïe! Oh, c'est fait dégueulasser! Eh, mais ça te met une pression ce jeu quand t'as le. Wouah! En fait, en plus, tu veux pas regarder autour de toi! Ouais, non, ouais, il y a de ça, mais surtout aussi pour l'ambiance, peut-être, hein, si t'as la grosse cam à gauche. Eh, mais vous avez vu, ils réagissent pas de la même façon à chaque fois, les mecs. Là, il a défoncé la porte, tu vois. Mais c'est flippant, wesh. Sérieux. Allez. On y va? Oh, cache-toi dans le sang. Cache-toi dans le sang. Ils sont bizarres les gars, hein. Allez, on a bien avancé. Est-ce qu'il y a une issue par ici? Non, c'est pas par là, ça veut dire. C'est tendu. Donc un mec à droite et un mec à gauche. Ouais. Peut-être qu'on passe par là en fait. Hein. C'est qu'il me voit dans la nuit, lui. Je me tournerai vers toi. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. La montagne de Sion est ravagée et nous reviendrons. Il y a deux mecs là. Hein. Je rêve où il y a un mec là. Macramé. Je ferai cesser le bruit de tes chants. Là. Fais
apporter la connaissance. Vous allez là. Merde. C'était quoi ce bordel? C'est quoi ce délire là? Ah, ils sont aveuglés quelques secondes. Faut que je puisse me... Oh, oh non. Papa. Papa. Allez. Je sais pas où aller. Papa. Je pense qu'il faut qu'on se casse. Papa, mon Dieu. Allez, on se casse d'ici. Vas-y, on s'en fout. Casse-toi. Essaye d'être aussi forte que possible, papa. Ne dis de... Vas-y, j'ai pas le temps de lire. Vas-y, pose, pose. Vas-y. On se casse là. J'ai pas envie qu'ils se réveillent, les mecs. Dieu a dit c'est quoi, c'est un rituel satanique? Ah, c'est filmé là. Nous nous opposons à l'antéchrist. Nous espérons le vaincre. Nous ne pouvons pas seulement suivre l'exemple de Jésus. Nous devons être comme Dieu. Et maintenant, Dieu nous a envoyé cette femme. Lynn. Tombée du ciel. Oh, comme merde. Putain, c'est elle. Rebelle. Ça marche, quelle est. Enlevez son maillot. Putain, monsieur, elle est où? Dieu, je te le demande, qui est cette étrangère? Cette étrangère venue parmi nous. La langue ne servait à rien. La vérité de Dieu est... Rejoins-nous. On ira lire plus tard, hein. Dieu, j'impose les mains sur ce semblant de pécheur et te demande de révéler la vérité. Priez avec moi, mes enfants. Dieu, Dieu. C'est dégueulasse. C'est mort qu'on a une clé à trouver, quoi. Par mon mort, comment on a vu d'envoyer mes enfants dans ça? Par le couteau. On a une clé à trouver pour sortir d'ici. Je mérite. Est-ce qu'ils nous l'ont pas mis dans un truc où il fait nuit? Merde! Putain de Satan! Merde! Des prostituées et des horreurs de la terre!
Oh yes. Il faut pas être cardiaque, hein, putain. Je suppose que le plaît c'est de sortir, mais on vient quand même visiter l'étage. Ouais, ouais. Là-dedans. Ils veulent vraiment que je joue là. Lynn ! Mais c'est Lynn, wesh. On peut y aller là ? Bordel de merde ! Elle est partie où ? Ah merde ! Mon dieu, Blake ! Tu vas bien ? Non ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien ! Oh merde, il faut partir. Là. Lynn, où est-ce qu'on va? N'importe où, mais restons pas ici. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh, mon dieu. Bordel de merde, Lynn! Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce que t'en fais? Ça... Je peux pas en parler. Lynn. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Notre foi a été confirmée. La femme venue du monde extérieur en ce jour à Temple Gate a apporté l'immonde fardeau que nous avons tant attendu. C'est du Gernou, là. Elle couve un enfant dans son ventre. Quoi ? Je l'ai examiné moi-même. Je ne sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn ? Je t'en prie. Blake, je vais juste quitter cet endroit. Est-ce que t'es la sainte ? Bordel, qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Les enfants, c'est le diable pour eux. C'est pour ça qu'ils les tuent tous, peut-être. Oh mon dieu. Allez-vous-en! Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non! Non! Dieu m'appartient maintenant. Dieu veut l'enfant. Fils de... Dieu veut l'enfant. Non! 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 Heretics! Heretics! Dieu
Dieu sortant, j'ai regardé mon père baiser ton dieu à mort. Merde, Lynn, tout va bien, petit. Oh mon dieu, merde. Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Comment ça, je vais partager mon amour avec le père? Pas comme je t'aime. Ah, il est dégueulasse. Oui, mon amour. Ah, petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Là. Lynn! Mon Dieu! Oh, Seigneur! Je sais même pas où elle est. Qu'est-ce que c'était que ça? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Et il n'y a pas que la secte. Il y a deux camps, les chrétiens et autre chose. Mais ils l'ont embarqué, ou... Ouais, ça c'est le cadavre. Peut-être un accès à la maison. Pression ce jeu, bon, enfin, je sais pas si vous vivez la même que moi, mais on a vu, on peut pas. Merci, là, je peux voir. Oh, une pile, nice. Il est vachement discret quand il ferme les portes, lui. Hein. Wow, c'est chaud.
Y'a un mec derrière moi. Une école. La classe de musique. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. Je reconnais pas les gens sur les photos. Je connais pas, hein. Mais ça sent pas bon quoi. Renexus. Il est horrible ce jeu, franchement. Vas-y, recharge vite fait la batterie. Mais je crois qu'il m'attend. Ça dort. Ça, c'est juste pour prendre la pile, je pense. Hein. Il y en a qui me saute dessus quand je la porte. Il est toujours là lui. Pas l'intérêt de venir ici s'il n'y a rien à prendre. Ah, c'était du bandage. Non, même pas. Quelle galère ce jeu. Ah, c'est la télé d'en face qui fait la lumière. Ah ouais.
Où ça vient? Putain. Ouais, il faut que je fasse une pause. Franchement, c'est dur. Je peux pas faire des lives d'une heure et demie là-dessus. Hein. Et... Ah, je suis pas mort. J'ai flippé, moi. Ah, psychologiquement, c'est trop dur. Non, 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 ça va pas. Ah, c'est chaud, ce... J'ai jamais joué à un jeu pareil. Et puis là, on est bien d'accord. Hein. Ouais, je te laisserai mes... Comment dire... Mon ressenti sur le Discord. Ça marche. Je vais essayer de passer une bonne nuit. Ça va être compliqué, là. Ah, il est horrible, ce jeu. Horrible. J'ai jamais fait pire que ça, quoi. Oh, il y a une pile. Ça, c'est nice. Merde, là, on voit vraiment rien. Hein. Mec, prochaine sauvegarde, je fais une pause. Hein. On arrête pour ce soir. Hein, parce que c'est... pas une bonne idée. Hein. Il rêve en fait. Si on était dans le désert, il ne peut pas y avoir de la neige. Oh merde. C'est vous, pas vrai? L'étranger? L'œil de Mlot, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire. Êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? J'arrive même je pas suis à marcher. Encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques? J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Il est sympa, mais il est un peu bizarre lui aussi. Hein. Je suis totalement sonné, j'arrive pas à marcher, il titube, il voit flou. Et là, je vois normalement. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi?
Votre fille, elle était enceinte de 8 mois? Des cheveux blonds, coupés courts? Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie, monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. J'ai l'impression que c'est un piège. Vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. J'ai un... Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. C'est un piège, non? Il va m'enfermer chez lui, non? Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Ah non, c'est pas un piège. On est pile parfait pour un... Oh là là, c'est quoi ce délire? Incroyable, j'ai... Enfin, le jeu... On n'a rien découvert du jeu encore. S'il te plaît, Blake. Je vais essayer de parler. Je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de 3 pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le quitter. Sauver la vie, quoi. Bah on va s'arrêter là, on va pouvoir sauvegarder en plus. Je sais pas quoi dire.
C'est un jeu qui est très particulier. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est très stressant quand même. C'est très bizarre et c'est particulier, mais je me sens pas bien. Enfin, t'as un sentiment genre qu'il y a un souci quoi, ça va pas quoi. Mais c'est dingue, c'est dingue. C'est vraiment vraiment sympa et je sais pas si vous vivrez la même sensation que moi j'ai, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, je voulais remercier tout le monde, ceux qui sont passés. Je ferai évidemment d'autres épisodes que je mettrai sur YouTube pour voir la suite de la saison, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Il est 23h et c'est l'heure de penser à autre chose. Ciao les amis et à très vite.